السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى سو إحسان سو فاغيا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون فا دولما رمضان الله في دنيا التوفيق بقاء الجمعة أكو إبتدت زوجي cette dernière Juma dans le mois Ramadan. Et sinon, si Allah finit de nous tawfiq, nous ne pouvons gagner aucun Juma. Et là, quand nous avons le dernier Juma dans le mois Ramadan, chaque Jimoun Ouzouen, surtout dans le Mu'taqif qui l'a, Ouzouen Saman Jimouna, Bouquet Banna, nous devons saluer ce monde-là. Parce qu'il y a un mortakif, travail qu'ils ont pu faire. Tout le monde, Allah Ta'ala n'a pas choisi ça. Il y a un monde qui a été ihtikaf, l'équipe sur la case, sur responsabilité, sur famille. 10 jours, il y a un domestique pour rester. Qui fait? Premièrement, les belles photos, ce qui est dans sa bastilla. Un dimoun qui est besoin reste dans le masjid, les belles pas responsabilité à l'endroit là. Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit un dimoun qui reste irtikaf, les reste irtikaf, qui est cadeau qui Allah donne à sa mu'taqif là. Et moi, ça, je vais dire, Allah, sur la soule, dit, si un dimoun li reste i'tikaf, d'abord, il y a un charif sur le hadith, Allah, sur la soule, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allah, ta'ala, li donne sawab, comme si dirait, ça, dimoun, n'a fin fait des hajj, des umrah. Subhanallah. Ça, c'est l'islam. Et quand nous étions à ce terrain, nous disions, le temps passe vite. Il y a beaucoup de gens qui disent que les temps sont Ramzan, Ramzan, fini. Après 4 semaines, qu'il passe dans le mois Ramadan. Et ça, même les temps, Allah Ta'ala peut faire Qasam dans le Coran, Allah Ta'ala dit Wal Asr, pas les temps. Et quand nous disons que les temps passent vite, c'est-à-dire que nous retournons vers nos bases qui étaient Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les expliquent un ayat Quran de Surah Bakara, ayat 281, quand Allah Rabbul Alamin dit Wattaku yawman turja'un. Paye Allah. Paye Allah, ça joue que vous êtes besoin de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par jour qui peut terminer dans le mois Ramadan, Allah Rabbul Alamin dit la Surah Fajr. يقول يا ليتني قدمت لحياتي سازولا سادنيا زولا انسان بكوزي سالي الله بقول يا الله دنوا توفيق يا الله مكافأة غير تون دا سادنيا نا كي دوا لي بدي مالي أو كي لي بدي أو كي سوي لي بوينا لي بقول يا الله دنوا توفيق مكافأة بس ان رمضان مقاد روزا يا الله. Il dit, Ya Allah, je suis pensé que je peux gagner encore Ramadan, mais je ne peux pas gagner l'amour fini vient avec moi. Mais Ya Allah, laisse-moi réaliser la terre pour garder Rosa. Allah, Rabbul Alamin, il dit non. Allah, tu as là pour répondre à ça, dit Mouna. Il dit non, je donne-toi dès la main pour faire toi. Dès la main pour faire toi. Est-ce qu'il te donne la main pour te demander toi? Je donne-toi dès lisier. Est-ce qu'il te fait ton âme couler avec sa lisier là? Salala, l'insan n'a pas capable de répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand nous bédions nos dernières parties dans le mois Ramadan, Allah sur la soudja, innama l'a'malu bil khawati. Qui ou ban amal, qui ou fait, li dépend le ou ban dernier jour. C'est-à-dire, ou bougain jannat, ou bougain l'enfer, tout dépend dernier jour là, comment passer dans une zindagi.
même qui quand c'était parhezgar ou t'kapavete, même qui quand c'était ibadat ou t'kapavete, mais sa dernier moment là qui ont passé, c'est ça qui Allah sur la soudia je peux être jugé là. C'est ça. C'est un il fait namaz, entre sur une dagui 50 bananes. Arrive 60 bananes, il est sur la mode, il est dans la boisson alcoolique. Qui est arrivé là? Allah pour basi là, sa dernière action qu'il fait là. C'est ça. Alors, il y a un jour pour dernier jour dans le mois de Ramadan, comme si dirait les salés. Mais non, ça va dernier jour dans le mois de Ramadan, c'est ça un jour qui prie pour autant ça. Et dans le mois de Ramadan, nous avons aussi la nuit de Qadr. Allah Rabbul Alamin dit Laylatul Qadri, khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylatul Qadr, les plis médias qui, combien de mois? 1000 mois sur Ibadat. 1000 mois. Vous faites des rakats dans la fil là, nos frères. Des rakats dans la fil, vous faites dans la nuit là. Les plus meilleurs qui 1000 mois sur Ibadat. Environ 83 bananes et 4 mois. Est-ce qu'il nous pouvons vivre autant d'époque? Maillette, le maillette, tous les jours, nous mettons des bras. Tous les jours, maillette. Zodiac, elle a une maillette encore de Bélair. Alors, maillette, tous les jours, nous mettons des bras. Tous les jours, du monde, petit dunia. Est-ce qu'il nous pouvons vivre autant? Combien de frères tu déjà dans ma site l'année passée ici, mais seulement cette année, je ne suis pas là. Si nous restons à la nuit là, comme ça, on va nous attaquer, rester un devant l'objectif qui était pour gagner la nuit de Qadr. Alors, nous essayons de faire ibadat de sa Zou qui restait là, afin qu'il soit capable de gagner sa grande nuit là. Qu'il nous puisse célébrer l'Inch'Allah lundi. Et là, dans le mois Ramadan, à ce qu'il y a là, à l'époque là, dans le Zamana Rasulullah, comment il passe sur Ramzan? Inch'Allah, nous pouvons apprendre ça aujourd'hui. Comment Rasulullah fait une passe sur Ramzan? Parce qu'il fait, hein? À ce qu'il y a là, il y a une période provoque musulmans. On comprend là? Il y a dans le passé, il y a récemment aussi. Dans la période provoque musulmans avec, il y a beaucoup de gens qui ne pas connaître, je veux dire où? Mariage gay. Qui veut dire, monsieur avec monsieur qui va marier. L'anatullah, le savant de Dieu. On connaît, dans l'époque Lout alayhi salam, bah là tu peux faire ça, quelque chose, madame qui tient là, monsieur tu peux marier avec monsieur, madame tu peux marier avec madame. Salé là, Allah Rabbul Alamin fait faire descendre un hasard qu'il est détruit à cet endroit là même. Et on rappelle bien, dans l'île Maurice là même, dans Côte d'Armel, il y a une inondation, il y a une ville mort là-bas, qui fait arriver ça? Quand on est d'après l'islam, qui fait arriver ça? C'est Allah, ce hasard qui descend parce que c'est à l'époque là, des hommes qui sont mariés. Allah, ce hasard ça. Allah, ce hasard ça. Alors nous bougeter et avant dix mois pédia musulman ça c'est pas terroriste ça musulman c'est pas islamiste ça musulman c'est pas dix mois qui peine à soukoun avec eux oh mon frère aujourd'hui nous pouvons prendre une étape dans la vie de Rasulullah dans le mois Ramadan qui m'a dit de passer la vie et mon message à ça avant dix mois là qu'il y a un islam comme ça Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'année 6 Hijri. Écoute ça, bien sûr, il y a un peu intéressant ça. 6 Hijri, l'équipe de Madina, l'équipe de Makkah. Il va faire Umrah. Il était dans l'intention de faire Umrah. L'équipe de Madina, par Makkah. Et quand il y allait, il arrive dans une place qui s'appelle Hudaybiyah. L'histoire, ça fait nous vous a connu. Important pour connaître ça. Quand nous parlons de Hajj, il y a là pour l'apprendre, mais côte ça, côte non. Ou bien fini qu'on a l'histoire. Alors, il y a sa place qui s'appelle Hudaybiyah. Il y a environ 1200 à 1400 Sahaba avec Rasulullah. C'est à l'époque là, ça allait là. 1200 à 1400. Imagine, il y a qui rappelle ce nombre-là, 1200 à 1400. Autant musulmans avec Rasulullah, on a fait Umrah. Arrive Hudaybiyah, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ousmane, oh Ousmane, elle cause avec Ban Quraysh. Elle dit à Banna, ben nous venons faire Umrah. Ousmane, finalement, quand il est allé, il dit à Banna, ben nous musulmans, nous venons faire Umrah. Ben laisse-nous faire Umrah, après nous pouvons aller, tranquille. Banna dit,
cette année-là, nous pas pour les jeunes faire Umrah, viens l'autre année, l'année prochaine, viens. Mais toi, Ousmane, tu finis, viens même, mais fais ton tawaf, toi, allez. Ousmane, radiallahu ta'ala, get so iman, get so muhabbat pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette année-là, il dit, si mon Rasul, papi capable de faire tawaf avant moi, comment vous capable de faire tawaf avant mon Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de faire tawaf là. Est-ce qu'il y a une rimia infanée là-bas, quand Rasulullah était là, et attendre que Hudaybiya, une rimia infanée qui va aller tuer Ousmane, va aller assassiner. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence à préparer, il appelle tous les sahaba, il fait une khutba. Il fait une khutba dans le mois ramadan, il arrive ça là. Dans la dernière partie dans le mois ramadan. Il fait une khutba. Il dit à combien de gens pour avec moi si nous pouvons la guerre avec Ban Quraysh. Vous êtes tous dit, la bête à Rasulallah. Il y a Rasulallah, le présent, il y a Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne son armée. Quran, ça. Il donne son armée dans la surah Al-Fatr. Avec sa surah là. Le premier ayat même, Allah t'a dit, Inna fatahna laka fatham mubina. Qu'Allah t'a dit, il vient donner victoire à Ban Musulman. Quand on a fini faire sa traité Hudaybiyah, qui traité, Rasulullah fin donne son armée, on a 5 sahaba, sahabi, 1400 sahabi, sahaba fin vini, fin pose l'armée, Rasulullah fin prend bay'at, bay'ah, fin mettre l'armée, Rasulullah fin prend bay'ah, l'armée Rasulullah dit à Rasulullah, nous pourrons fier avec toi, nous pourrons laguer avec toi, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il finit faire ça, Rasulullah prend sur l'autre la main, il pose sur la main même, il dit ça c'est pour la main Ousmane. Ça. Alors, ça là, quand il finit de faire tout ça là, Ban Quraysh qu'il fait, Ban Quraysh, il envoie au roi Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala. Un sahabi ça, au roi Ibn Mas'ud, il vient contre Hudaybiyah. Il vient contre Hudaybiyah, il guette Ban Sahaba. Les gens qui arrivent dans le mois ramadan, les gens qui sont les retournent dans Makkah. Les gens répondent. Les gens disent, frère, ça c'est pour tous les musulmans qui dans le mois ramadan peuvent garder rosa. Les répondent, les gens qui trouvent dans Sahih al-Bukhari, ce hadith là, les gens qui trouvent beaucoup de rois, beaucoup de grands djimouns, beaucoup d'aristocrates, beaucoup de djimouns me trouver. Mais seulement, sa personne qui appelle Muhammad, sa personne qui appelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bon, ben trouve, ben djimoun, ben les rois, qui tient à ce ben servant, ça ben djimoun comparé à ben sahaba pas finena. Qui fait, il dit, comme on trouve, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut cracher, ben sahaba, pas laisse à la crache là, tombe en bas, ben n'apprends à la crache là. Lisez mon trou Muhammad, Kalibé sallallahu alayhi wa sallam, Kalibé taille ce CV, Banna palais sa CV là, tombe en bas, Banna ramasse sa CV là. Mon trou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Libé taille ce zone, Banna palais sa zone là, tombe en bas, Banna ramasse sa zone là. Ça c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Muhammad. C'est qui sahaba c'est là avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comme Mouawiyya radiallahu ta'ala quand il y a son wafat, il dit moi il y a une zone avec moi pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit prends sa main zone là, mette dans mon kabar, parce que quand tu prends la zone pour Rasulullah, l'enfer va dit fait l'enfer va vous venir là dans ça. Mouawiyya radiallahu ta'ala. Et je dis maintenant puis encore dire que les musulmans c'est communauté qui peut provoquer violence. Ça c'est pas Rasulullah ce tarbiyat ça. Pas formation de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ça. Alors maintenant il fait un traité. Un traité, là dans ce film, mettre pas de conditions. Et tout mal condition, c'est de faveur man courage. Ben sahaba fin en colère, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit non, ça lui donne l'avantage. Pendant environ 10 années, pas fini dans la guerre. Pas fini dans la guerre. Dans sa banane, ce qui finit là, Rasulullah fin propage sa dîme. Jusqu'à Abu Sufyan, le vin de Medina. Ce chifi, Abu Sufyan, qui est kafir, n'est pas encore un musulman. Les rentre de Medina, ce chifi qui va avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Les alcools de ce chifi, Allahu Akbar, les alcools de ce chifi, les tapent la porte, le chifi là ouvre la porte. Les gars de papa là, comme si dirait, il va casser sa tête. Il dit, mais qui te m'a fait là?
Mais quand avec son papa là, kafir, son papa kafir, ils allaient quitter le ministère là. Ils allaient mettre une guette toi. Il y a une vingue de toi. Quand il y a une rôde dans la salle de l'assemblée de Rasulullah, il y a une rôde risque de l'île que Rasulullah dormi. Il y a une rôde risque de l'île pour qu'il y ait la ciseau là. Ce qui fait pour ce papa, il dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas propre pour te capable assise dans l'île de Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, c'est allé là, il retourne à Makkah. Il retourne à Makkah. Les diamants kafir, motifie même pas pour accepter moi. Motifie même pas pour accepter moi avec ça, le musulman, pas pour capable de la guerre. Ça. Tout ça, là, t'arrives dans le mois Ramadan, dans mon explique là. Il dit pas pour capable de la guerre avec ça, le musulman. Là. Parce qu'il y a la force extraordinaire. Abu Sufyan, avec mon courage, il peut préparer pour la guerre encore. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Medina. Hudaybiyah, tu as combien? Tu as 400 sahaba. À ce temps, il peut quitter Mecca avec 15 000 sahaba, il peut aller dans Mecca. Quand il rentre dans Mecca, quand il arrive dans Mecca là-bas, Nabi Karim finit faire un sahaba là, il est en groupe. Finit maintenant un flambeau. Un flambeau animé. Chaque année, finit faire un groupe. Le matin, quand mon courage finit de lever. Kafir il levé, je trouve tout ça flambeau musulman là allumé, mais il n'y a pas vous capable tous musulmans à ce terme. Pas vous capable tous musulmans. Ben là, je dis, ça mois Ramadan là, le mois Ramadan, ça rosa qui se peut garder là, ça rosa là même qui peut faire une victoire là. Ça rosa là qui peut faire une victoire. Ça l'est là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette formation qu'il nous donne nos frères. Cette formation, c'est que l'islam vient de nous. Pas comme un certain manomissien qui veut dire que l'islam, comme ça, dans le mois Ramadan. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans Mecca, et avant qu'il rentre dans Mecca, c'est un sahabi, quand il s'en prend dans Medina, il écrit une lettre, il finit en voie dans Mecca, il dit fais attention aux musulmans, aux musulmans, et il la guerre avec eux. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à Hazrat Ali radiallahu ta'ala qui dit oh Ali, aille dans tel chemin, telle place, tu trouves un sahabi avec sa sahabi là, elle est là, prends sa lettre là, t'emmène. Ali allait les trouver, il dit mais donne lettre là, donne papier qui est avec toi là. Il dit pas aucune lettre, il dit non, c'est mon rasoul, il dit une lettre avec toi là. Finalement, il tient sa lettre là, il donne, il fait appel à sa sahabi là, il dit amène-le contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim dit qui fait. Qui fait un fait traite avec nous? Qui fait un peu envoyer l'être là-bas? Tu veux dire maintenant nous bien là-bas? Il dit à Rasulullah, ma famille là-bas, et à ma djimoun qui connaît moi là-bas, maintenant j'ai ma famille, à cause de ça, je veux dire maintenant, maintenant capable d'être ma famille plus bien. Omar radiallahu ta'ala dit à Rasulullah, laisse-moi tuer sa sahabi là. Il a bien dit, crie avec lui, il dit, oh Omar, est-ce que tu ne connais pas, participe dans la guerre Badr? Tu ne connais pas ça? Et la guerre Badr finit dans le mois Ramadan. Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha dit qui comme il y a quelque chose qui arrive dans ce mois-là, mais nous ne connaissons pas. Nous, nous apprenons chaque mois, nous apprenons chaque Ramzan, nous apprenons qui quelque chose qui est chose en haï, qui quelque chose qui est chose. Nous devons apprendre là, nous parcourons l'histoire de Ramzan. Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha dit qu'il y a une souffrance dans le mois Ramadan. Sayyida Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha ligay suwafat dans le mois Ramadan. Sayyida Khadija radiallahu ta'ala anha ligay suwafat dans le mois Ramadan. Est-ce qu'il nous connaît? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il rentre dans Mecca. Imaginez mon frère, visionne ça dans sa place là. Nous qui nous pouvons faire Eid là, nous qui nous pouvons montrer nos contentements là. Imaginez mon frère Rasulullah avec 15 000 sahaba puis rentre dans Mecca. Kabana rod dans Mecca, arrive devant Kaaba, tout le monde kafir effrayé, tout le monde kafir paix à salaire là. Je n'ai pas connu qui peut arriver, mais ça nous lit comme Muhammad, il faut marcher qu'il nous donne, pas pour faire la violence. Al Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Banna, est-ce qu'il connaît qui peut faire avec eux là? Banna dit non, nous pas connu, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi t'en a Hind, qui prend les foires, tcha tcha Rasulullah fin manger comme ça même. C'est un kafir, bandimoun qui tu peux envoyer salter le Rasulullah. Ça, bandimoun là, ya Rasulullah, tu laisses pas là comme ça même.
وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَزِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِجَا مَنَّا مُلِّزُّدْ عَلِي مُلِّبِيَ زُدْ مُبَادُنْ زُدْ مُبَابُوا فِيَ زُدْ كَنْ دِتُوْمَ Ce qui n'arrive dans le mois Ramadan, ça. Musulman, c'est pas une communauté qui vous fait du monde, hein? Difficulté. Pas vous donne les peuples dites ça. Alors, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Bilal, oh Bilal, monte le Kaaba, donne azan. Il dit à Bilal, monte le Kaaba, donne azan. Bilal, il y a un petit azan en face Kaaba. Il dit, monte le Kaaba. Il monte le Kaaba. Là-haut Kaaba, je veux dire, monte là-haut Kaaba, puis donne azan. Quand il monte là-haut Kaaba, il dit, ya Allah, quand tu es en bas, tu fais, me connais, quand ça m'a bizarre, virer, puis donne azan. Mais ya Allah, c'est-à-dire, quand moi vous virer, ya Allah. Quelle direction vous faire? Là-haut, là. Et quelle direction vous faire? Vous donne azan. Parce qu'il y a un mal, il fait direction Kaaba. Il dit, ya Rasulullah, il dit, Nabi Karim, qui ya Rasulullah, merci qui m'a fait, ya Rasulullah. Quand moi vous virer, ya Rasulullah. Et Bilal, son mohabbat, son iman. Nabi Karim, il dit, oh Bilal, place côté de l'équipe, puis j'ai viré bien là-bas même. Ça, Bilal, son iman, ça. Bilal, son mohabbat, ça. Bilal, il dit, Allah, ta'ala, لفي سفجية كت شهر رسول الله لفي سفجية كت فجية مبارك نبي كريم صلى الله عليه وسلم نكون حسن نكت فجية رسول الله دون أذان شهر هذا دبي سازولا كبلال دون أذان سات فالي دون أذان لبيزا كت فجية رسول صلى الله عليه وسلم دون أذان سيلي باتروب رسول الله نكت كت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى لدون أذان شهر حبلال شهر دون أذان رسول صلى الله عليه وسلم لفين كود باس عليه هذا Quand il conquérit Makka qui fait une ville de possession musulmane, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il conquérit Makka sans qu'il y ait une goutte disant qu'il tombe le sol à terre. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Islam, c'est pas une religion qui peut faire au point de la violence, frère. Ça nous a tiré dans l'esprit, ça. Alors, quand le musulman peut aller en groupe, on appelle lui, il faut puis aller. Vous connaissez qui on appelle lui? Appelle lui Nantes. Qui sont appelés Nat, Kassida, qui nous dit Kassida. Quand on appelle Nat, Omar, radiallahu ta'ala, il aille devant, il prend son épée, il dit, est-ce qu'ils ont pas connu, ils ont pas besoin de Nat? Écoute ça bien, hein? Il dit, est-ce qu'ils ont pas connu, ils ont pas besoin de Nat devant Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam? Nabi Karim tend sa parole là. Vous connaissez qui lui répond? Qu'est-ce que Rasulullah dit? Li panjama Allah pa bizali anat ar rasul sallallahu alayhi wa sallam li dia Omar ki Omar sa chef ki banna pedia sa parole si ki banna pedia banna pedia na sa parole ki pedia sa en parole la sa en parole la kan si dire li pedia en lebe li be wa davan ka fi zot te ki sa dis panna lera Là, qui disait l'espace d'alien n'a pas empêché ça. Ça, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tarbiyat qui lui fait une bonne musulman dans le mois Ramadan. Oh mon frère, capable. Pour un djimoun, vous pouvez faire où vous dire où vous avez la guerre. Vous avez débouté, vous avez la guerre contre un djimoun qui peut légaliser un tel qui de choses. Et là, c'était là, ban là, pour faire une lamage plus grand qu'ils ont fait la dernière fois passée. C'est qui peut légaliser ça, quelque chose là. Mais il y a des gens qui connaissent l'islam qui était. Nous avons besoin de la paix. Si on peut venir vers nous pour la guerre, nous avons besoin de défendre. Vous comprenez là? Nous n'avons pas besoin de la guerre. L'islam n'a pas dit ça. Si on peut venir la guerre à cause du dîn, on peut retirer ou dans la case, l'islam dit la guerre. Mais seulement tant qu'il est capable de défendre. C'est ça l'islam qui donne le tarbiyat dans le mois Ramadan. 4 minutes nous terminons. Dans le mois Ramadan, mon frère, ça va être le dernier jour qui peut passer avec nous. Je me dis, oh, tu es allé dans la nuit de Qadr, la nuit de l'Aïlatul Qadr. Parce que là, je me dis, oh, mais qui fait 27e même, qui fait lundi, quand nous avons sa surah qui appelle l'Aïlatul Qadr. Il y a 9, l'Aïlatul Qadr. Il y a 9 mots là-dedans. Là, il y a là. Il y a 9 mots. Elle compte, l'Aïlatul Qadr, il y a 9 mots. Quand nous guettons sa surah là, 3 fois, il y a le mot l'Aïlatul Qadr. Inna anzalna fi l'Aïlatul Qadr, l'Aïlatul Qadr, l'Aïlatul Qadr, l'Aïlatul Qadr, l'Aïlatul Qadr,
Et il y a trois fois qu'Allah Ta'ala fait une mention, le mot n'est pas le cadre. Quand nous faisons 9, nous multiplions par 3, il est équivalent à 27. Et là, il y a beaucoup de sahaba qui, pendant 27e la nuit, ils font une reste. Entier la nuit, ils font une reste dans ma zif, ils font une ibadat. Il y a beaucoup de sahaba qui font ça. Il y a beaucoup de hadiths qui nous disent nous là, ça, inshallah, nous pouvons prendre, nous voulons être le cadre même, qui nous faisons faire. Et là, ce qui nous faisons faire, ibadat, ce qui nous faisons faire, mon frère, même on reste des jours pour Ramadan. Arrivé ce Ramadan là, on parle pasti comme un bizan. On parle pasti comme un bizan. Connais mon frère qui a la tala les rafour, Allah les pardonne. Nous lire sa doua là, vous apprenez tous les jours, il y a Allahumma innaka afoun tuhibbul afou. Ya Allah, certainement te compte à pardonner, ya Allah. Ya Allah, pardonne-moi, ya Allah. Sa doua c'est que tous les jours, chaque nuit, nous besoin lire tous les jours quand nous avons l'occasion, nous lire sa doua là, pareil comme à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les paiements dans le mimbar. Les peut faire khutbah dans le mois Ramadan, les peut monter dans le mimbar. Quand les peut monter dans le mimbar, un pas, les dit amin, deuxième pas, amin, troisième pas, les dit amin. Ben, les sahaba demandent, ya Rasulallah, mais qui fait on dit amin quand on peut monter dans le mimbar? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un adam, il dit, quand on peut monter dans le mimbar, Jibrail finit avec moi, il dit, c'est lui ce qui finit le mois Ramadan, il n'est pas agressif et lui-même pardonné avec Allah, Allah ta'ala, il peut détruire sa djimouna. Sajimouna, Allah Ta'ala pour finir faire les barbades, Sajimouna. Oh mon frère, nous pouvons gagner ce dernier jour dans le mois Ramadan, ça va un jour qui peut terminer là, peut-être aujourd'hui c'est le dernier Jum'a dans le mois Ramadan, demande beaucoup de doigts avec Allah, et que le dernier Jum'a dans le mois Ramadan, doit ce qui vous demande, Allah accepte ça. Dans les iftars, nous connaissons, doit accepter. Mais dans Jum'a tout le Wida, quand nous disons dernier Jum'a, ça n'a plus beaucoup facile que ça. Jumma n'a pas facile même, mais Jumma tout le Wida, dernier Jumma dans le mois Ramadan, n'y a pas qui doit vous demander avec Allah, Allah t'a accepté musulman ce doigt dans le mois Ramadan. Fais un doigt, mon frère, demande beaucoup de doigts. Ya Allah, nous pas connaissons si nous vous récitons, reste là l'année prochaine, ya Allah. Ya Allah, nous pas connaissons si nous vous récitons, vive le mois Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ça va un dernier jour qui reste là. Ya Allah, fais nous recevoir avec différents enfer, ya Allah. Ya Allah, tout le monde connaît ce qui nous faire de halat rosa, ya Allah, nous garde rosa pour faire toi plaisir, ya Allah. Ya Allah, nous récit garde rosa pour nous capables que jannat, ya Allah. Ya Allah, d'arriver nous faire rire, ya Allah. Ya Allah, nous garde rosa, mais seulement, ya Allah, nous pas garde qui comme abisa, ya Allah. Ya Allah, nous faire manti manquement, ya Allah, nous faire manti rire, mais ya Allah, toi même te pardonner, ya Allah. Ya Allah, toi même qui pardonne guna, ya Allah. Ya Allah, aujourd'hui dans le mois Ramadan, dernier Jumma, peut-être dernier Jumma qui est avec nous, ya Allah, nous demandons toi avec toi. Ya Allah, pardonne-nous, Banguna, ya Allah. Ya Allah, purifiez-nous les corps, ya Allah. Ya Allah, purifiez nos roues, ya Allah. Ya Allah, arrivez-nous faire Guna. Ya Allah, arrivez-nous faire une cause mentie, ya Allah. Ya Allah, arrivez-nous donner nos frères, nos siens, ta clive dans la case. Nous mal cause avec nos mamans, nous mal cause avec nos papas. Ya Allah, pas cette case, sa dernière Juma dans le mois Ramadan. Ya Allah, pardonne-nous, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mon frère qui est malade, mon sien qui est malade. Ya Allah, donne-moi la chifa dans le mois Ramadan, ya Allah. Ya Allah, fais meilleur pour Manna, ya Allah. Ya Allah, sa zouïd qui vous mène avec nous. Ya Allah, sa zoula. Fais nous rappeler, man djimoun qui veut souffrir, ya Allah. Ya Allah, mon frère qui ne reste un tekaf. Mon frère qui veut rester, mon mort, qui veut rester dans ma zine. Ya Allah, accepte l'ibadat que je peux faire, ya Allah. Ya Allah, donne Manna ta fille que je suis capable de gagner. Salamit de kadar là. Ya Allah, donne-nous ta fille aussi qui là. Nous capables de gagner salamit de kadar. Nous capables de gagner 1000 mois sur l'ibadat, sur sawab, ya Allah. Ya Allah, accepte tout doua, tout ibadat, tout tilawat Quran qui nous fait. Alhamdulillah, tilawat Quran est fini faire dans ma zine ici. Alhamdulillah, félicitations à Saban Djimoun qui fait un namaz et Saban Djimoun qui fait un moussalli dans le masjid. Félicitations à Zod de Finresi, écoute un Coran en entier. Allah subhanahu wa ta'ala accepte Saban Ibadat qui nous fait là. Et un élan, et un frère qui appelle Saban Boudabakas, son papa qui est malade, son papa qui est malade, fait un doigt qu'Allah ta'ala fait craindre pour lui. Allah Ta'ala, donne shifa, Allah subhanahu wa ta'ala, et tout le musulman qui a des problèmes, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce mois-là, dans ce dernier jour qui restait là, frère, si vous n'êtes pas capable de donner zakat, ou pas entitled to give zakat, alors donne cette carte. Même un roupie, un zou, donne cette carte.
donne sadka, donnez, porte asile, amène la case, amène manger dans la case, ça, c'est de considérer comme sadka ça. Alors essayez frère, faire ça dans l'ibadat là, profitez avec sa main dernière jour là, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, nous vous trouvons un sens dans nos zindagi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq ya man, wa ma tawfiq illa billah. Et donc elle est là, elle a une petite fille, Abdul Sania, il a 11 ans, et cette fille là, elle est malade. Et là, sur mon papier là, sur mon maladie, tout est là-dedans. Et Inch'Allah, demain, vous êtes pour passer, vous êtes pour faire collecte pour cette fille-là, pour ta pote. C'est qui est capable de donner, donne sa enfant-là pour être capable de faire son opération. Allah Ta'ala capable de donner Shifa, de contribuer pour lui aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, wa ma tawfiqi illa billah.